Je suis une vieille parisienne de merde. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ah, vous êtes là? Désolée, j'étais hypnotisée par la beauté de la nature, les oiseaux, le chant des cigales, ah putain, les orties de merde! J'ai attendu la fin du confinement, et surtout que ce soit devenu légal, et j'ai vite filé voir ma maman à la campagne. Et je suis partie m'isoler loin de mon 11e arrondissement favori. Avant de finir le lycée, et avant de commencer les études supérieures, j'avais jamais eu d'amis non parisiens en fait. Et rien que le fait de dire non parisien, les gars, c'est le début du pourquoi de cette vidéo. J'avais... Ouais, je parle au passé parce que j'aime me dire, je ne suis plus vraiment comme ça, j'avais pour habitude de dire parisien et provinciaux, comme si c'était les parisiens versus la France entière quoi. Donc du coup, on peut dire que je n'avais jamais rencontré de provinciaux. Et je me rends compte maintenant qu'il est temps que devant vous, je fasse mon mea culpa de pourquoi je suis une vieille parisienne de merde. Je suis tellement parisienne que j'ai appris à écrire Rouen il y a 5 ans. C'est-à-dire, j'avais une copine, elle est retournée chez ses parents un week-end et je lui ai demandé hey, « Salut, ça se passe bien chez tes parents à Rouen ?» Et là, j'ai écrit Rouen, R-O-U-A-N-S. Non mais dites-vous bien, déjà que je sais même pas placer Rouen sur une carte, j'ai écrit Rouen comme Royan. Genre, c'est la même ville, aucun problème. Le respect est mort. Je suis tellement parisienne que sans m'en rendre compte, quand je parle à des amis étrangers, je dis « Non, mais à Paris, on fait comme ça !» Alors qu'au fond, on sait que je pense « Non, mais en France, on fait comme ça !» Alors qu'il n'y a rien de parisien dans tous les trucs qui font penser à la France. Le fromage, c'est pas nous. Le vin, c'est pas nous. Les fêtes de Bayonne, c'est pas nous. Le saucisson, c'est pas nous. Bon, à la limite, on a le Louvre, d'accord. Mais quand les étrangers ils pensent à la France et qu'ils pensent à Stromae, c'est même pas les Parisiens, c'est même pas la France, c'est la Belgique. Bon bref, ça c'est un autre débat. Je suis tellement parisienne que payer une pinte 9 euros, ça me choque même plus. C'est-à-dire, t'es en terrasse, pas chauffé, t'as pas d'olive, t'as pas de cacahuètes, et en plus, on te demande de payer 9 euros ta pinte de crocs. Mais comme on est parisien, on tolère. Si tu veux m'entendre parler de crocs, va voir ma dernière vidéo sur les bars depuis le début du déconfinement. Je suis tellement parisienne que je confonds toutes les villes de France. C'est-à-dire que je fais même pas exprès, c'est comme... Il y a une voiture. C'est comme quand j'étais petite et que je confondais Marilyn Manson et Marilyn Monroe. Vous savez, je vous en parlais dans ma première vidéo, la tournée avec un iPhone 2 entouré de cellophane dans une grotte. Du coup, à chaque fois que je pense à Besançon, je dis Beauvais. C'est-à-dire que je confonds deux villes alors qu'elles sont même pas au même endroit. Je suis tellement parisienne que j'ai déjà fait 1h30 pour manger une pizza. 1h30 de queue. On parle pas d'aller à un concert ou de faire la queue pour aller à Space Mountain à Disney là. On parle de manger un brunch ou une pizza pour 1h30 de queue. Non mais ça vaut pas le coup les gars. Donc parisienne, mais lucide. Je sais quand je suis prise pour un pigeon. Je suis tellement parisienne qu'en plus, j'ai déjà fait un rééquilibrage alimentaire et depuis, je suis sur les fichiers clients de Naturalia. Donc tu vois, moi je vais gagner des petits points de fidélité quand je vais acheter mes chips de banane en vrac et mes noix de cajou sans sel. Je suis tellement parisienne que je ne prends presque jamais le RER. Et encore, c'est le A, le B ou le C. Le D et le E, ils vont trop loin là, dans la banlieue, là. Après le périphérique, non, je connais pas. Et franchement, je m'en rends compte, je le prends pour seulement trois raisons. La première, c'est aller plus vite entre Nation et Charles de Gaulle Étoile, parce que... Tu sais, les Parisiens, nous, on est pressés, hein. On va aller très vite, la ligne 1, c'est pas assez rapide pour nous, puis il y a beaucoup de touristes, hein. On n'aime pas trop ça. De 2, c'est pour aller à Disneyland, à Marne-la-Vallée. Je suis une enfant pourri gâté. Et de 3, c'est pour aller à l'aéroport. Je vais remettre la même chanson. Je suis une enfant pourri gâté. Et enfin, je l'avoue devant vous, je suis tellement parisienne qu'à 22 ans et après 40 heures de conduite, je n'ai toujours pas mon permis. Je ne l'ai pas encore passé, mais j'ai même pas encore le niveau pour qu'on m'inscrive à une épreuve, donc c'est quand même un sacré level. Voilà, donc j'espère que ça va se faire, hein, prochainement, bientôt. Mais bon, j'ai jamais pris de trottinette électrique, donc bon, ça s'équilibre quelque part, non? Voilà, c'était mes aveux, ma confession de parisienne, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre ce qu'est la France, voilà. Ah, voiture. C'est simple, on dit que c'est la campagne, mais en fait, il y a des voitures qui passent tout le temps. Surtout samedi, c'est jour de fête, en fait. Ils vont tous au marché, ici. Et après, c'est tout, c'est toujours les mêmes. Il y a que deux voisins, de toute façon. Donc, Bonjour, c'est pour quel Bonjour. Ah, c'est pour le parti d'en rire. C'est juste des blagues. Ah non, moi, je dis juste que je suis parisienne, mais que je filme à la campagne. Les bruits de loin. Quelle angoisse! Si vous avez liké cette vidéo parce que vous êtes parisien, si vous avez liké cette vidéo parce que vous êtes provinciaux et que vous êtes enfin content qu'un parisien admette que c'est un trou de balle, sinon si tu as juste rigolé, lâche un like, abonne-toi, tu connais
la musique. Va voir toutes mes autres vidéos et suis ma chaîne. Retrouve-moi sur Instagram également, je poste mes aventures, surtout mes aventures à la campagne actuellement. Je suis quand même dans un endroit avec des poules et des abeilles, donc des vidéos poulivores et abeillovores arrivent. Poulifiles et abeillophiles peut-être, parce qu'on ne mange pas les abeilles ici. À bientôt surtout.